vidéo sur Red Dead Redemption 2 RP. Ah, je suis tellement content de vous dire ça. Ça fait extrêmement longtemps que vous vouliez que j'aille faire du RP sur Red Dead. Et effectivement, eh ben on y est enfin. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes, à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur Red Dead, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à découvrir. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Je suis trop content parce que depuis que Red Dead est sorti, ben je vous en parlais de ce RP et nous y voilà enfin avec un serveur où il y a énormément de gens. On est sur le serveur Last Country avec un magnifique accent. Et ce soir, on m'a donné rendez-vous quelque part. Je peux vous assurer qu'à mon avis, la scène va être folle. J'ai très très hâte. Et franchement, regardez-moi la beauté du jeu. Non mais le jeu est parfait. Il est trop beau. Donc écoutez, on va aller à ce lieu de rendez-vous et voir ce qu'on va faire. Et sérieusement, c'est quoi cette baraque de ouf? Eh, il y a une dame là. Merde. C'est pas moi. Bonjour. Qui êtes-vous? Écoutez, mon cousin m'a dit de venir ici. Il y avait des hommes qui devaient me prendre en charge. Ils avaient besoin d'aide ou je sais pas quoi. Ah, c'est vous le nouveau travailleur, c'est ça? Oui, c'est moi. Je m'appelle Curtis. Très bien, très bien. Bien enchanté, monsieur Curtis. Je suis Violette Grimaldi, la propriétaire de ces lieux. Oh, enchanté, madame. Oui. Et... C'est qui, toi? Oh, oh, oh. Voici Carlo. Je suis Curtis, c'est mon cousin qui m'a dit de venir apparemment pour travailler. J'ai entendu parler de ça, mais il m'a dit qu'il était pas comme ça, quoi. Il était comment? Il était plus joli. Vous regardez-vous, hein. Vous êtes même pas habillé. Bah normal, je viens de la campagne. Et la campagne reste tout nue? Bah moi, ouais. Oui, c'est vrai, il va falloir penser à vous habiller. Saint-Denis est une ville d'une assez haute distinction. J'ai vu ça, vous avez même des trains dans les rues, j'ai absolument jamais vu ça. Ce sont des tramways, effectivement. Tramway. Mais vous vivez dans l'abondance, dans la richesse. Tout à fait, tout à fait. Oui, mais nous avons travaillé pour cela, figurez-vous. Nous avons une romerie sur l'île de Guarma, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Nous fabriquons du rhum. Du rhum? Ah oui, c'est ce qui se boit. Du prestigieux rhum, oui, tout de à fait. De l'agneau. De l'alcool. Oui, tout à fait. C'est un peu une insulte pour mon rhum de l'agneau. Oh, veuillez m'excuser, madame. Mais je vous en prie. Mais d'où venez-vous exactement? Madame Gournay. Ah, allez, wow. Vous voilà. Ah, vous allez bien? Frangin. Bonjour. Qui c'est lui, ma parole? Oui, c'est qui lui? C'est lui qui a été envoyé comme homme de confiance. C'est quoi? Homme de confiance. Oui, Frangin, il a pas oublié quelque chose là? C'est mon cousin qui m'a envoyé. Et il t'a envoyé sans habit, Frangin. Je vais t'appeler Frangin, c'est pas grave. Tu t'appelles comment? Mais à moi, vous lui parlez. Oui. Mais qu'est-ce que vous venez de faire, Alberto? Donnez-moi ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bref, peut pas passer. Curtis, t'as pas bu la bouteille entièrement, on va voir comment tu bois. Alors, regardez. Il y a la vérité, il dégonfle. Oh, désolé, madame, je nettoierai. Je vais appeler la vérité, t'as sali notre maison. Désolé, il était fort. Mais quelle idée d'avoir bu ça tout d'un coup, également. J'ai marché dedans. Vous commencez très mal. C'est sympa ton raton laveur sur la tête. Ah merci. C'est ma marque de fabrique. Comment t'as fait? Tu l'as tué et tu l'as mis sur ta tête? Exactement. Waouh. Il est aussi simple mais que toi, ça. Mais toi, je vois, t'es bien habillé. Hein. Bah après, moi je viens de la campagne, vous savez. Là-bas, je m'habille pas trop. Hein. Moi, je suis très dans la nature et à accueillir des champignons, aller dans la forêt, me balader. Tout nu? Oui. Ah, ok. Mais j'ai vu qu'ici tout le monde s'habillait, je comprends pas trop oui, pourquoi. Oui, et correctement également. Oui, bien, vous êtes mais on très va aller élégante. On va aller chez le tailleur pour que vous puissiez vous acheter une tenue. Je vous ai donné 100$, donc 100$, je vous préviens qu'il va falloir que ça tienne. Parce que je vais pas disposer de ça tous les jours. Ah ouais. En tout cas, bienvenue à c'est moi, j'ai récupéré mes habits dans moi. Merci, madame. Je vais mettre la même. C'est Eve, moi, c'est Eve. Tadam! Waouh, la classe! Merci, hein. Ouais, t'as pas la clin. C'est quoi ça? C'est un dégrant, quoi. Comment ça? Mais non, il a la clin, c'est non, t'es beau, je rigole. Ah. Et la vérité, ton chapeau incroyable. Ouais, je me suis dit, waouh, ça fait comme les chapeaux de cow-boy. Ouais, cow-boy, ouais. Nous voici, nous voilà. Il est pareil. Wow. Oui. Pardonnez-nous. La révérence, madame. Merci. Je crois que je suis jamais habillée comme ça.
Vous savez que le Marshal Winston m'a invité à une balade pour qu'on apprenne à se connaître. Ma part. Oh, vous avez accepté. Et ça? J'ai pas encore accepté. Oh, n'acceptez pas, Madame Eve. C'est certainement un guet-apens, vous savez. Peut-être qu'il va vous tuer, on sait pas. C'est un Marshal, monsieur. Oui, oui, mais sait-on jamais, Madame Eve. Restez à l'abri chez vous. Ah oui. Yeah. Et la vérité est en train d'écraser le mouton. Il est fou, ma part. C'est pour ça qu'il avance pas. Frangin, c'est mon mouton. Pardon, je voulais pas l'abîmer. Il y a un vieux qui nous court après, là. Il veut quoi? Qui? Là, le vieillard, là. Regardez. Ah, c'est José. Oh, bouge pas, je m'occupe de lui. Quoi? Oh! Il s'est pris un coup de roue. Ça lui apprendra. Oh là là, on est poursuivi par un malheureux. Allons voir mamie. Mamie. Mémé. Et la vérité, n'oublie pas, mamie, on t'aime. Tu nous avais manqué. Oui, c'est Mario qui t'avait volé de l'argent. Si. En fait, je t'explique. Merci. Tu vois notre mamie? Et ben, quand on l'a enterrée, il y a quelques années déjà, elle avait un bracelet qui nous tenait vraiment à cœur. Ce qu'on fait, c'est qu'on va te donner une pelle et tu vas creuser Monsieur afin Kertis, de récupérer le bracelet. Je vais chercher votre cheval à l'écurie, j'arrive. Ça marche? Merci, madame. Ouais, ça va, ouais. Vas-y, frangin, donne-lui une pelle. En plus, c'est pour vous, hein, c'est pour votre mémé et tout. Merci. Merci, Kurti. Tiens, je comprends qu'on veut pas creuser dans la tombe de notre grand-mère. Heureusement que t'es là, toi, tu le fasses. Heureusement que t'es là. Ah, bah, y'a pas de soucis. Il va bien y avoir quelque chose. Boucle d'oreille décorative. Je sais pas, il y avait des boucles d'oreilles sur ses oreilles. J'ai pris ça. C'est ça qui vous fait? Non, c'est pas ça. Quand j'ai pris la boucle d'oreille, il y a quand même un bout d'oreille qui est parti avec. Mais je l'ai laissé. Elle était un peu décomposée quand même. Elle est morte il y a longtemps, non? Désolé, non, elle est en bon état, hein. Elle se repose. Surtout qu'elle était belle, mamie. Mais je sais à mon avis où est-ce qu'il est. À tous les coups, les shérifs de Blackwater ont déterré déjà, ont pris le bracelet et l'ont mis dans le coffre de la banque. Ah, vous pensez? Ah ouais, les malheurs. Il faudrait qu'on aille voir. Il y a des chances, ma parole. Faudrait aller voir alors à la banque et leur demander gentiment. Ouais. Mais après, je suis pas sûr qu'ils nous ouvrent. Allez, viens, on y va. Bah pourquoi? C'est votre grand-mère, hein, il devrait. Oui, c'est vrai, allons-y. Que dois-je faire? Voilà, frangin. Voilà, frangin. Un bouffon. On a peur de rien. Oui, allez, voilà. Au nom de la loi. Oh là. Arrêtez-vous. C'est un shérif. Stop. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, pétard, c'est un shérif. Arrêtez-vous. Lâchez les commandes. Lâchez les rênes. Pétard. Lâchez les rênes. J'ai pas de reine. On a pas fait exprès, monsieur le shérif. Sors. Allez, calmez-vous. Sors. Bon, calme-toi, frangin. Oh, du calme. Et c'est encore plus petit que moi. C'est les chevaux. Eh, toi, il est bipolaire. Tu parles pas mal de mes potes. Monsieur, parle pas mal de mes potes, s'il vous plaît. Vous venez de percuter au moins 3 personnes. On n'a pas percuté. Il bloquait le passage, c'est normal. Il bloquait le passage. J'ai envie de prendre un marteau et de vous taper la tête quand vous sortez dans le tunnel. Tu prends un marteau, on te frappe nous tous. Venez, on l'entoure, on l'entoure. Ok, t'as un souci. Ils font la formation tortue. Dégagez. Oui, dégagez. La dernière fois, chapeau. Tu me manques de respect, toi. Et j'ai pris un chapeau. Et sa moustache, allez, ça s'arrête jamais. Oust, c'est ça. Et l'autre, le petit, il a volé un chapeau. Quoi? Je vais le tuer. C'est ça. Attendez. Alors, toi, frangin. Carlito. Waouh. C'est ça. C'est celui-là. Effectivement, ah, c'est celui-là. Ah ouais. C'est celui-là. C'est incroyable. Et même la poignée, elle en or. Il est gigantesque, lui. Vous avez de l'argent. C'est qui ces foutus nains, partner? Attends, tu ne manques pas de respect. Les chauffe pas trop, ils sont chauds. Tu regardes. Et je peux t'appeler comment? C'est comme tu préfères. Cheyenne. Voilà, Curtis, fais-toi respecter. Ah, j'ai cru, qu'est-ce que tu regardes? Voilà, Curtis. Tout à l'heure, déjà, t'as cherché la merde et en plus, t'as volé un chapeau. Voilà, Curtis. Je vais t'en coller une. Voilà, Curtis. Allez, on va le voir. Hey, what the hell? Ah oui, partner. Je vais t'étrangler. Voilà. Il va jouer. Oh, bordel. Et là, je suis. Voilà. Pousse-toi. Eh, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais toi, t'es un fou, toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, t'es un grand malade, toi. Reviens. Aidez-moi. Oh, bordel. Bagarre générale. Avec lui. Calmez-vous. Tout le monde se calme.
Casse-toi de là, touche pas mes frères, toi. Touche pas mes frères. Salaud. Calmez-vous. Il se mettait deux sur moi. Il se mettait deux sur moi. Ah, je vais tous vous marbrer, les petits nains. Arrêtez. Tiens, bouffe ça. Bah tiens, le géant. Fais-moi le malin, celui-là. Frangin, il y en a, il se fait prendre par les shérifs, et Frangin. Mais non, mais non. Viens, viens, viens. Mais non. Tu le braques. On le braque ou pas? Non. Tu fous quoi? Cours, Frangin, cours. Lâche mon cousin. Il est où, partner? Ah, au secours! Au secours! Curtis. Je suis là. Bah, je vous présente votre cheval. Oh! Je vous remercie, madame. Ouah. C'est Lucky. Lucky, oh, pour salut, vous voir ses chances. Oh, il est j'ai trop pas pris bon. Très grand vu que vous êtes petit. Merci, bah il est très très bien. J'en connais un qui était sur les toits et qui se cassait, hein. Ouais. Moi je me suis essuyé les pieds sur quelqu'un. Je dirais pas tu parles de qui? Moi j'ai essayé de sauver. Je pense qu'elle parle de Mario. Un Curtis. Quoi? T'étais sur le toit et tu nous regardais? Tu te cassais sur les mais, toits. Mais même pas, j'ai plaqué un policier. Un après, shérif. Tu t'es mis à courir et tu restais sur les toits. C'est ce que tu m'as dit, hein. Mais oui, mais après, parce que le shérif me cherchait. Comment t'as fait pour t'échapper, d'ailleurs? Ah, frangin, moi j'ai des vrais frangins qui m'ont sauvé. Ma parole, passe-moi sauver, je suis en prison avec Mario. Et la vérité, Curtis, il est arrivé, il a poussé ce malheureux. Il m'a fait tomber. Et après, il y a Mario, il est venu, il m'a coupé avec le couteau de la sauce. Mais la vérité, j'oublierai pas, Curtis, ce que t'as fait pour moi. Et Mario aussi, j'oublierai pas, frangin. T'inquiète pas, frangin. J'espère que tu es prêt. Ben, pour récupérer un bracelet, oui. Moi, je resterai un peu en retrait parce que demain, je vais peut-être me faire élu en mer. Ce serait bête quand même de faire. Et on a juste à prendre un bracelet, c'est ça, non? C'est ça, oui, oui. Mais ah, ben voilà. Ben, ah oui, mais oui, oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? On t'a dit de sortir. Et toi, avec ta nappe sur le torse, là. Sors de là. On t'a dit de sortir. Il y a des campés, là. Vous attrapez, là. Allez, vas-y, reste tranquille. Attrapage. Oh, oh, mais t'es il commence à nous cuter. Sors avant que tu il commence à nous cuter. Je suis blessé. Waouh. Il m'a mis un coup de couteau. Et la vérité, je vais le tuer. Non. Tout le monde se calme. Bon toutou. Descends. Attendez. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? J'ai un truc à te donner pour ouvrir, c'est comme une clé de coffre. D'accord, une clé, bah c'est facile, hein, je sais utiliser maintenant. Et une fois que t'as mis la clé et que tout est bon, tu recules, on sait jamais si c'est le tiroir. Oh, Frangin, ça va, Frangin? Ouais. Je crois qu'il galère, là. Non, Frangin, j'allume les mèches. Il est bloqué. J'allume les mèches. Il va exploser. Waouh. Oh! Vas-y, faut récupérer le bracelet. C'est incroyable! Wouah! Mais c'est incroyable le braquage de banque! C'est un truc de ouf! Mais quoi toi? Tu fais quoi toi? D'accord, excusez-moi monsieur! J'arrête! Waouh! Là! Mais c'est pas moi! Sur moi, il y a un braqueur! C'est pas moi, non, braqueur, je vous jure monsieur! Braqueur dans la banque! Bouge pas! Arrête-toi! Au secours! On m'arrête pas! Sur les toits. Viens, vite. Choper le petit, Tu bouges pas.